Je suis Célia de l'émission Bon Plan, etc. Enchantée. Enchantée. Et en fait, je viens vous voir parce que j'aimerais bien une petite tenue pour l'automne. Et je ne sais pas trop ce qui se fait. Ça tombe bien, j'ai reçu la nouvelle collection. Super, parfait. Je peux vous proposer, alors on a la super nouveauté qui est arrivée. Les tendances pour l'automne sont très rock, avec justement ce petit côté enduit. Ah, jupe en cuir revient quoi. Exactement. D'accord, totalement. Super. Et on a aussi la petite tendance motif géométrique. Ah ouais, ça c'est top. Hein. Et les deux ensemble se marient à ravir. Donc à la rigueur, je vous propose d'essayer cette première tenue. Je vais voir ça en cabine. C'est hyper joli. Je vais essayer ça. Eh bien, allez, je c'est parti. Vous apporte les chaussures. Super, vous merci. Faites les pointures ? Je fais 38. 38, ouais. Okay, merci. Elle est là, la cabine. Par contre, là, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites comme marque dans cette boutique ? Alors en fait, le but, c'est de faire plein de petites marques, pour la plupart parisiennes, d'accord, qu'on ne trouve pas à Bordeaux. Donc j'ai trouvé plein de petites boutiques sympathiques à Paris, j'ai aussi des marques danoises, que je suis la seule à faire aussi à Bordeaux. D'accord. Donc vraiment dans un but rapport qualité-prix au top et que des exclusivités bordelaises, on va dire. D'accord. Oh, c'est hyper joli. Hein. J'ai vu quand même, vous faites des petits prix. Là, par exemple, la tenue, là, jupe chemisier, à combien ça peut me revenir ? Jupe chemisier, on en a pour 60-70 euros. Avec les chaussures, vous en avez pour une centaine d'euros. Donc là, je suis habillée pour 100 euros. Exactement. Vous avez la tenue complète pour 100 euros. Et on peut même l'accessoiriser si vous voulez. Ah mais oui, j'ai vu qu'il y avait des petites... Il y a des petits bijoux. Alors, on fait un partenariat avec la marque Enelli Création. D'accord. Donc, une créatrice bordelaise qui s'appelle Elodie, qui nous fait des magnifiques bijoux très raffinés. Super. Par exemple, on a ces petites boucles d'oreilles ethniques qui iraient à ravir avec la tenue. Et ouais, du coup, ouais. Si vous voulez les essayer. Ah ouais, c'est hyper joli. Tenez. J'adore. Une grande working girl. Ah ouais, c'est super. Et alors, il manque un truc quand même, il manque un sac. Là. Il manque le sac. Ah ouais, non. Est-ce que je peux un sac à poser qui serait parfait avec cette tenue ? C'est ce petit sac. 39 euros. Ah ouais, 39 euros. Qui peut se porter à l'épaule, il y a une anse à l'intérieur ou juste à la main. Ah mais à la main, ça, aussi. C'est bien aussi. Hein. Un petit cartable comme ça. Exactement. Ah ouais, c'est top. Et là, c'est pour le coup, 39 euros, c'est vraiment. En gros, pour 150 euros, j'ai les boucles d'oreilles et là, tout quoi, tout, les accessoires, tout. Exactement. C'est génial. C'est top. C'est vraiment pas cher quoi, par rapport à ce qui se fait quand même un petit peu sur Bordeaux. Même vos petites tenues, les petits hauts, tout ça, c'est quand même assez bon marché. Comment ça se fait que vous arrivez à avoir des pièces de qualité comme ça, qui sont super abordables pour le coup ? Eh bien, c'est le but justement de ces petites marques parisiennes. Donc, je vais dans des boutiques, des petites marques qu'on ne trouve pas du tout à Bordeaux. Mmh. C'est des petites boutiques avec des marques pas encore connues, donc on ne paye pas la marque. Et c'est ce qui permet justement de proposer ces magnifiques vêtements à des prix totalement raisonnables. Et c'est hyper chic, hyper tendance. Je vois plein de choses, là, j'ai envie de tout essayer. Hein, c'est top, c'est super. Et il y en a pour tout le monde, pour tous les âges, ouais, pour les vois, jeunes, ouais. Pour les moins jeunes. Le but de la boutique est aussi un shopping mère-fille, on va dire. J'aime beaucoup le shopping mère-fille, et comme ça, au moins, les deux peuvent trouver ce qui leur convienne. Super, c'est une très bonne idée, c'est un super concept. Bravo. C'est gentil. L'adage, visiblement, il faut souffrir pour être belle. Donc aujourd'hui, je m'attends peut-être à souffrir, je ne sais pas, on va découvrir ça. On est ici, passage Sargé, à côté du cours de l'intendance. Et là, je vais grimper 3 étages pour rejoindre l'Institut Fabienne sur l'Anne, qui va me recevoir dans son institut. Vous allez voir, très cosy, avec une ambiance très sympa. J'ai un petit peu peur parce qu'on va tester aujourd'hui le palpé roulé. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai entendu dire que c'était un petit peu douloureux. J'espère que ça va bien se passer. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. C'est parti. Bonjour. Bienvenue. Allez-y, rentrez, posez-vous. Alors Fabienne, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc cette fameuse technique du palpé roulé manuel que vous pratiquez ici ? Et à quoi sert cette technique ? Alors c'est bien de dire déjà manuel, parce qu'en effet nous sommes très très peu nombreuses à faire du palpé roulé manuel.
Donc on n'utilise aucune machine, on va vraiment travailler le ventre, les cuisses, les genoux, les fesses, les bras si nécessaire. Donc avec des manœuvres un petit peu particulières qui va venir plutôt pincer et réactiver la circulation sanguine et lymphatique pour petit à petit effacer cet effet peau d'orange. Mmh. C'est un système, si vous voulez, qui va être très naturel, adapté à vous, adapté à votre morphologie. Et nous finissons par un drainage lymphatique manuel pour avoir cet effet lisse. J'ai entendu dire quand même que c'était un petit peu douloureux comme technique. Est-ce que c'est vrai ? C'est subjectif. Oui. Chaque personne va le vivre différemment. En effet, vous allez peut-être le supporter à 100% très bien la première séance, ou peut-être pas, donc on va y aller en douceur. Hein. Moi, je veux vous garder, je ne vais pas vous faire fuir. Donc, on veut du résultat, soit, mais chaque personne va avoir un temps d'adaptation. Est-ce que dès la première séance de palpé roulé, on peut avoir des résultats visibles à l'œil nu ou visibles peut-être au toucher voilà, si je dois souffrir, j'aimerais savoir si vraiment ça vaut le coup dès la première séance. Alors, une séance, déjà, ça va vous faire découvrir ce que c'est qu'un palpé roulé. Souvent, on associe ça à un massage. Alors, soit c'est un massage, mais un petit peu plus fort. Donc, on va vraiment pétrir la peau pour avoir un résultat, pas à la première séance, on est bien d'accord, mais au bout de la troisième, quatrième, et voire la dixième séance, ce sont des forfaits de 10 soins. Est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée du tarif, du coup, de ces séances ? Alors là, vraiment, on fait du sur-mesure au niveau des tarifs. Vous allez peut-être avoir besoin que des bras, du ventre, ou des cuisses, et du ventre et des bras. Donc vraiment, on adapte par rapport aux besoins. Alors les séances de palpé roulé sont à la carte, comme vous nous avez expliqué. Est-ce que, par conséquence, le prix est également à la carte et diffère pour chaque cliente ? On peut aller que du ventre, qui la séance va être à 38 euros, jusqu'au corps entier, où la séance va durer une heure, et là, on est à 67 euros la séance. D'accord. Voilà. Sans rien vous cacher, il y a vraiment des endroits du corps où la technique du palpé roulé est douloureuse. Hein. Moi, par exemple, elle a passé autour du genou. Visiblement, c'est là que j'en ai besoin. Et c'est vrai que c'était un peu plus douloureux qu'ailleurs. Du coup, ce principe de palpé roulé à la carte, les bras, les cuisses ou les fesses, c'est hyper intéressant parce que tout le corps n'a pas besoin d'être palpé roulé, seulement certaines zones. Et de toute façon, on le sent. Hein. On le sent là où vraiment ça fonctionne. Il y a des zones très sensibles, beaucoup plus que d'autres. Du coup, c'était une expérience sympa. Ça m'a vraiment donné envie de, pourquoi pas, d'essayer, parce qu'en plus Fabienne a des super conseils. Elle est très pédagogue et elle explique bien les choses et on comprend beaucoup de choses sur le pourquoi du comment de cette fameuse cellulite. Du coup, c'est très intéressant de l'écouter et puis de passer entre ses mains, même si vraiment ça fait mal, hein, les filles, il ne faut pas se le cacher, mais le résultat visiblement est plutôt sympa. Donc c'était chouette, c'était très sympa. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu à Bordeaux jusqu'à l'âge de 6 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter les souvenirs que vous avez de cette époque ?
C'est ma tendre enfance, on va dire. J'ai évidemment le souvenir de ma première école, puisque c'était l'école du Bon Pasteur sur les boulevards, qui existe toujours d'ailleurs. J'étais contente de retrouver les hauts murs du Bon Pasteur. Enfin, je crois que depuis, ça a beaucoup changé autour. Mais j'ai retrouvé cette école avec plaisir. Mes enfants ne sont pas scolarisés là. Ils sont scolarisés à l'école Albert Barrault, qui est juste à côté de mon domicile et qui est à côté de la basilique Saint-Serin, où j'ai été baptisée. Et j'aime beaucoup cette idée de retour aux sources parce que vous voyez, la maison que j'habite à Bordeaux est à quelques pas de la basilique Saint-Serin où j'ai été baptisée. Donc je crois que c'est un peu le sens de mon histoire. C'est un vrai retour aux sources et un vrai retour à ce qui est fondamentaux, on va dire, la petite enfance étant toujours un moment extrêmement marquant dans une vie. Voilà, j'ai eu la chance de naître ici, dans cette belle ville de Bordeaux, exactement à la maternité de Bagatelle à Talence, il y a 45 ans maintenant. Je suis rentrée dans la vie active assez jeune, puisque j'avais à peine 22 ans, comme commissaire aux comptes et expert comptable. Et ensuite, parce que c'est souvent le cas, quand moi je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, j'ai été recrutée par un de mes clients, qui était le groupe La Générale des Eaux, et qui avait une filiale qui s'appelait la Compagnie Générale de vidéocommunication, qui est devenu ce qu'aujourd'hui les gens connaissent sous le nom de Numéricable, qui était donc la télévision par câble. Et je suis rentrée comme directeur financier. Après, je suis partie à l'international. J'ai vécu à Amsterdam pendant une courte période de ma vie pour une start-up dans les hautes technologies satellitaires, dont j'étais là aussi directeur financier. Puis je suis revenue en France et j'ai intégré le groupe Canal+, qui était très voisin du groupe Numéricable, puisqu'en fait, c'était la même maison mère. Et donc, j'ai été d'abord directeur financier, puis directeur général adjoint, puis directeur général délégué de la chaîne Canal+. Et ensuite, je suis partie dans le groupe Endemol comme directeur général France, puis PDG France, puis DG Monde. Et enfin, j'en ai démissionné pour monter ma propre entreprise, pour être entrepreneur, pour réaliser un groupe, on va dire, à ma main, avec la volonté d'acquérir deux sociétés, de les fusionner, de faire un groupe franco-européen. Et puis, voilà, Alain Juppé m'a proposé d'intégrer son équipe pour les municipales de 2014. On était à l'été 2013. Je n'ai pas hésité très longtemps, pour les raisons évidentes. D'abord parce que c'était à Bordeaux, la ville de mon enfance, ma ville de cœur, celle où ma sœur, mes neveux, nièces, son mari sont là depuis toujours, où mon père est enterré. Il est décédé en 2000 et c'est à Bordeaux, enfin à Gradignan précisément, qu'on a choisi qu'il repose. Et donc, c'est mes racines. Et donc, faire de la politique là où on est né, je trouve que ça a du sens. Et puis avec Alain Juppé, un homme d'État pour lequel j'ai énormément d'admiration, de respect, d'estime. Et donc, j'ai pensé que ça donnerait du sens à ma vie. J'ai eu la chance d'avoir un parcours assez varié, assez riche. Et donc, je me suis dit que se mettre au service des citoyens dans sa propre ville, celle où on est né, ça avait du sens. Et c'est comme ça que finalement, je n'ai pas réfléchi très longtemps et que je me suis engagée en politique pour les municipales de 2014. Donc, c'était il y a tout juste 2 ans. Vous êtes maman? Oui. Est-ce que du coup vous avez peut-être des petites astuces ou des secrets pour allier une vie professionnelle dense et riche à une vie privée et à une vie de mère aujourd'hui ici à Bordeaux ? Moi, j'ai pas beaucoup de leçons à donner à qui que ce soit en la matière. Je pense que après, c'est une chance que j'ai, on va dire par nature, d'être très organisée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est clé. De donner du temps à mes enfants, c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon équilibre et qui fait partie, évidemment, me semble-t-il, d'une vie de famille plus équilibrée. Donc, j'essaye de garder des plages horaires dédiées à mes enfants, quitte à ressortir après. Quasiment tous les soirs, j'essaye d'avoir cette plage horaire avec eux. Le matin, bien sûr, au petit déjeuner, qui est un moment essentiel. Et puis ensuite, c'est de profiter, en fait, de Bordeaux pour leur offrir des activités sportives notamment qui sont faciles d'accès. Ma fille est à 10 ans, elle est fan d'équitation. C'est vrai qu'ici, on arrive à trouver des infrastructures qui permettent l'équitation
pas très éloignés de la maison. Ils font aussi du tennis. Voilà, donc je trouve que la ville facilite grandement, notamment pour les enfants en bas âge. Enfin, moi, les miens, 10 ans et 7 ans et demi, c'est un âge où ils ont besoin de se dépenser, besoin de faire du sport, où ils ont encore pas mal de temps libre. Il y a des devoirs, mais pas tant que ça. Et donc, il faut pouvoir les occuper. Et j'ai cette chance-là, en habitant en centre-ville, d'être à proximité d'infrastructures, la piscine judaïque, des terrains de tennis à Codéran. Bon, tout ça se fait facilement. Voilà, j'ai pas non plus des astuces incroyables. Je pense que toutes les mamans ont à peu près les mêmes difficultés pour gérer tout ça. Voilà, on fait au mieux. Moi, j'ai un truc, en fait, j'ai une chance inouïe, et ça, tout le monde ne l'a pas, c'est que j'ai une maman qui, elle-même, est très présente et s'occupe beaucoup aussi de mes enfants depuis qu'ils sont nés. Et ça m'a beaucoup aidée dans mon développement, évidemment, professionnel, qui me conduisait à avoir des horaires qui n'étaient pas très simples. Et aussi parce que je crois que ce qu'on peut apporter de plus important aux enfants, c'est de l'amour. Et quand on a la chance d'avoir une maman qui est donc leur grand-mère, je sais qu'ils ne manquent pas d'affection, ni de leur mère, ni de leur grand-mère, ce qui est déculpabilisant pour une maman qui est très occupée. Mais là encore, la priorité des priorités reste à mes enfants. Je pense qu'il faut savoir, voilà, gérer les priorités. Et on a souvent eu tendance à dire que ce n'était pas la quantité, mais la qualité du temps qui était important. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il faut quand même une quantité minimum aussi. Ils ont besoin de voir leur maman. Et j'essaye de l'intégrer au mieux de mes contraintes dans mon agenda. J'ai toujours pensé qu'un jour je ferais de la politique parce que je trouvais que l'engagement au service des autres était noble et que je pensais, à un moment de ma vie, pouvoir faire ça parce que je trouve que ça donne du sens. Et effectivement, j'avais pensé le faire plus tard, considérant qu'il fallait que mes enfants soient grands et entre guillemets très grands, c'est-à-dire je pense que les enfants ont toujours besoin de leurs parents, mais moins que quand ils sont petits. Et en fait, la proposition d'Alain Juppé est arrivée effectivement alors que mes enfants étaient effectivement en tout bas âge, puisque c'était 3 ans avant, donc ma fille avait 7 ans et mon fils avait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Donc ils étaient très jeunes. Et en fait, je vais vous dire avec le recul, et je ne l'ai pas fait pour ça, mais je crois que c'est formidable parce qu'ils sont à un âge où ils ne sont pas pollués par ni la lecture des journaux, ni les réseaux sociaux et la surmédiatisation qui peut s'accompagner d'une carrière politique. Du coup, ils sont assez préservés de ça. Alors, c'est vrai que la campagne des régionales a fait que malgré tout, il y avait quand même ma tête sur des affiches, y compris devant leur école. Donc là, ils n'ont pas pu passer totalement à côté. Mais ils sont préservés, alors que je pense qu'ados ou plus grands, évidemment, qu'ils sont directement en prise, en première ligne de tout ce qui est communication, réseaux sociaux, etc. Donc, ça a été important dans ma décision parce que effectivement, je voulais une fois encore pas qu'ils souffrent de cet engagement politique, mais finalement, j'ai eu un engagement professionnel depuis leur naissance qui était très actif. Là encore, moi, quand je me suis lancée dans la campagne des régionales, j'ai clairement demandé à ma maman si elle était prête à assumer ce que ça impliquerait, c'est-à-dire une présence de ma part qui était quand même un petit peu plus légère pendant le temps de la campagne, parce que j'avais cette grande région. Là, vous avez parlé de discours partout en France. Non, là, je fais de la politique en local. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en tant que maman, la présidence d'une grande région comme ça, c'est compliqué parce que c'est un très vaste territoire. À la mairie de Bordeaux ou à la métropole, l'avantage, c'est qu'il y a une unité de lieu qui fait que le matin, au petit déjeuner, je vois mes enfants. Le soir, je peux voir mes enfants aussi. Et ça, ce sera très important dans mes décisions futures d'engagement personnel et politique, parce que je crois que c'est important de garder le lien avec ses enfants et de préférence quotidiennement. Et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et c'est effectivement important dans une décision. Et je ne regrette pas de m'être engagée en politique alors qu'ils sont jeunes, parce que on le sait, c'est un milieu qui est violent, qui ne fait pas de cadeaux, qui peut être parfois brutal, voire un peu cruel. Donc préserver les enfants qui sont un peu loin de tout ça, je crois que c'est finalement une bonne chose, et je suis ravie de m'être engagée alors que mes enfants étaient encore tout jeunes. Un jour, par exemple, un de vos enfants vous dit « Maman, j'aimerais faire de la politique », qu'est-ce que vous lui diriez ?
Ah ben moi, j'encouragerais mes enfants à ça. Je pense que comme souvent les enfants qui ont côtoyé une maman ou un papa qui a fait de la politique veulent souvent ne pas faire ça. En général, c'est plutôt comme ça que ça se passe parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup de temps et puis c'est beaucoup de coûts. Mais si un jour mes enfants voulaient faire ça, moi je leur dirais ce que je crois profondément, c'est que se mettre au service des autres, c'est noble. Alors c'est vrai que la politique est très décriée, que moi j'ai fait un chemin un peu bizarre puisque j'avais une situation très enviée dans le privé et j'avais une belle carrière qui pouvait se poursuivre devant moi. J'ai fait le choix de l'engagement politique parce que je trouve que ça donne du sens. Je pense que j'ai fait du caritatif pendant 10 ans de ma vie parce que j'avais besoin de ça à un moment donné, de se rendre utile, de se dire qu'on se met au service des autres pour une cause. Beaucoup de gens le font dans ce pays, dans le domaine associatif, dans le domaine culturel, dans le domaine politique. Je trouve que c'est noble. Donc moi, je ne dissuaderai pas mes enfants de le faire, mais je les encouragerai à le faire là où ils ont leurs racines, leurs souvenirs, et donc pourquoi pas à Bordeaux.